bonjour et bienvenue dans notre chaîne. Fally peu pas surnommé Aigle s'est dernièrement offert une bague coûtant plusieurs millions. Un achat qui a été fortement critiqué par les internautes qui dénoncent un caprice luxueux de la star congolaise. Pour les internautes, cet achat est exagéré vu la crise sanitaire assez tendue qui touche la population africaine. Alors, sans plus tarder, découvrez comment Fally Ipupa répond à propos des critiques sur sa vie luxueuse. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, on commence. Comme toujours, les internautes n'ont pas tardé à critiquer Fally Ipupa, qui s'offre tout ce qui lui plaît. Reçu dans l'émission Life Weekend sur la plateau de Life TV, le Congolais a répondu à ses détracteurs et les a remis sur le bon chemin, cette bague coûte 20 000 euros. Après mon concert de Bercy, j'ai donné 15 000 euros à la fondation de Dadju. J'ai donné 20 000 euros à la fondation du Dr Mukwege au Congo. Avec ma fondation, j'ai offert une ambulance médicalisée qui a valu près de 40 000 euros à l'hôpital général de Goma. J'ai repeint les écoles. J'ai acheté des terrains pour les orphelinats. J'ai mis de l'eau potable dans une commune de Kinshasa, une commune de 20 000 personnes. J'ai fait beaucoup de choses avec ma fondation. Ce n'est pas que la bague qui m'a coûté. J'aide les gens et je m'éclate aussi. J'achète des voitures, des vêtements. C'est mon argent, je travaille dur. Nous sommes à la fin, j'espère que vous avez aimé notre article sur comment Fally Ipupa répond à propos des critiques sur sa vie luxueuse. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, et ne rien manquer de nos prochains contenus.